et tendre Bécide qui nous rejoint, messieurs, dames, au micro. Re. Bécide, est-ce que tu vas toujours bien? Re, cher ami, re, les viewers. Bah écoute, ça va, hein, petite pause. On repart de plus belle pour le top 3. On repart de plus belle pour le top 3. Je suppose que tu as fait les présentations. Très rapidement, hein, très rapidement. C'est donc la winner finale avec Belia et Fage qui ont fait upset sur upset avec une team pour la première fois construite sur le tas, hein, pour la première fois une team ensemble et assez impressionnante quant à leur placement et à leur synergie. Je veux dire, on a vu des restes incroyables de la part d'Aifage et des placements de Belia pour détruire l'intérieur de la team adverse et les envoyer à Aifage très propre. Sauf qu'en face, on a Léon et Quick qui ont su envoyer Cyr et Paxson en loser, qui ne sont pas arrêtés là, qui ont également du coup battu Alox. Non, c'était Belia et Aifage qui ont battu Alox, oui. Jagoff, autant pour moi, mais qui ont battu, bref, une autre team. En tous les cas, ils sont là aujourd'hui pour cette winner finale. Et voyons voir ce que ça va donner, messieurs, dames, Quicksilver Léon en bleu face à Aifage Belia en rouge. Donc si on s'en tient aux stratégies précédentes, clairement Quicksilver et Léon, Quicksilver est l'agresseur, Léon fait des couvertures. Et bon, ça marchait très bien comme ça, donc je pense qu'ils n'ont pas de raison de changer pour l'instant. Tandis que de l'autre côté, c'est plutôt Aifage qui va profiter des opportunités pendant que Belia les crée. Et c'est ce qui est tout à l'heure, ce qui leur a fait gagner de façon très convaincante contre Jagoff et Alox. Et là, en 30 secondes, ça enlève déjà deux stocks adversaires. Quick en profite pour taunter tranquillement. Est-ce qu'il aura le temps de sauver son pote? Malheureusement, c'est un missile en pleine tête qui lui donne la boule un peu haute. Malheureusement, belle couverture de Aifage avec ce match-up. Les rouges qui essaient de se rassembler un peu. Et le tilt, hein, il a vu le rondoudou sauter, prêt à rester tout de suite, hein, il a cassé ce grab avec ce petit backer. La rondoudou qui rend un peu la tâche à Léon, très compliqué, très propre de la part de l'équipe rouge, très qui bien. A su prendre cette stock à 2 contre 1 pendant que Quick avait du mal à approcher. Ça prend une stock propre de la part de Quick, ça revient pépère sur le stage. Mais ça ne veut pas prendre le bord ni de l'un et de l'autre, on s'est vu, ils sont pas mis d'accord, ils ont fait la même chose. Du coup, ils n'ont rien couvert, ils ont laissé Rondoudou se reposer sur le stage, un peu dommage. La problématique, c'est toujours les flottis en team, c'est les tanks, les porteurs de vie. Et là, voilà, on voit que Quick qui vient d'enlever une deuxième vie à FH, lui par contre, on a toujours 4. Donc au niveau efficacité pour l'instant, mais... Après, c'est un personnage bien lourd, hein, s'amuse bien évidemment. Mais on peut voir aussi justement le, en effet, enfin, tu disais quoi, c'est que le mec il en a toujours 4. Mais depuis l'heure, il est très patient, il reste 13 au sol, les genres de choses. Bon, 3 maintenant. Et malgré ces 3 stocks, c'est quand même Léon qui en a plus qu'une. De fait, au niveau des stocks, on est à un jeu égal. Bien sûr. Des boules bien tentées de la part de Quick, hein, mais qui malheureusement tape un peu dans le bouclier de Nassim, enfin de Léon, et du coup qui l'arrête dans sa phase propre. Était-il nécessaire ce reste? Je ne sais pas, en tout cas il était bien placé. Il n'a pas été tellement puni pour ça, donc on peut dire que effectivement c'était un bon reste. Et pendant ce temps-là, hein, Léon qui. Oh, il tente, il essaie d'agresser un peu le rondoudou. Aifage qui est pas dupe. Hein. Et c'est dommage, par contre Belia qui a empêché Quick de bien se placer pour tirer cette boule très propre et qui a ensuite voulu embêter Léon à son atterrissage. C'était également relativement propre. C'est très intéressant, on est sur un match très serré, ils ont rattrapé leur retard. Oh, oh, magnifique. Clairement, tu vois que leur choix, c'est de se concentrer sur Mars, sur Léon et un peu de laisser Quick indisponible. Et ça a l'air de marcher, pas trop mal. Oh là là, ce missile très beau. Qui envoie complètement Léon mourir. Hein. Belia qui a su très bien réagir avec ce petit Shine. Ouais. Il s'est glissé sur lui et c'était fini. Cette mec qui peut faire mal, il est là au milieu des deux. Et voilà Léon qui fait l'ouverture sur ce Fox, permettant à Quick du coup de placer son unsmatch, occupant le Fox à droite, Aifage devant arriver et Léon l'attendant et le punissant. Il est maintenant seul face à deux et il pour un upsmatch qui va très certainement le condamner. Magnifique. Très beau match de Léon qui a vraiment fait le café là. Faut pas. Il a pris tout dans la tête, il a pris toutes les vies dans la tête. Et il a fait le café du début à la fin, il a laissé la zone claire pour Quick et c'était vraiment... C'est vrai que c'était propre comment Quick genre se déplaçait au niveau des plateformes, il attendait juste. Et quand il avait une occasion, il mettait son coup fort, clinant un peu le terrain et laissant Léon faire, pouvoir revenir. Le seul problème en effet par contre c'est que la petite synergie, tout à l'heure il se tirait bien avec les missiles, enfin les projectiles de Samus. Et là malheureusement ça a retrouvé beaucoup de fois contre Léon. Et Léon qui perd sa stock très vite par Belia. Ça commence très chaud, c'est Counterplay sur Dreamland et Belia qui enlève le premier stock à Léon très rapidement avec un Shine. Tout simplement. Le fameux. Ah, ce forward air qui sauve du reste. Une stock perdue pour Quicksilver, sauvée in extremis par son collègue Léon.
très beau reste en plus qui avait été très bien trouvé par Eiffel. Ah, le Shine, encore une fois Léon, hein. Ah, et le missile qui malheureusement veut couvrir le Fox et qui au final couvre le sol et aide l'edgeguard du Marf, un peu dommage. Exactement, c'est la problématique avec les missiles et Samus en, en team, c'est que il y a besoin vraiment que le joueur avec qui tu joues soit vraiment très 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 conscient du personnage, très conscient de comment esquiver les missiles, parce que ça peut très très vite devenir dangereux pour ton allié et pour ton équipe. Mais t'en sais quelque chose. Là pour le moment Belia, Quick qui trouve l'ouverture sur Belia, oh, Léon qui suit bien et qui ferme petit à petit la porte sur Rondoudou, lui retirant sa stock. C'est tendu, mine de rien. Ah, joli de la part de FH, hein, qui en crouchant a mis la pression un peu à Quicksilver, a attendu la réaction la plus directe. Joli backer de Belia qui met tout le monde d'accord. Il se rapproche pour Quick, rate ce shine malheureusement, laissant le temps à Léon de revenir et de faire cette edgeguard. C'était très 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 intéressant. Oh là là, ça tue Léon, sa edgeguard. Quick essaye de le sauver. Side B de Rondoudou sur le Fox pour le ramener sur le stage. Et un petit edgeguard pépère. Ça partait d'un combo magnifique de Léon. Avec un finisher avant B, et puis ça finit par deux stocks en moins pour l'équipe des Bleus. Bienvenue dans Smash Bros Melee. Le jeu plus cruel. Tu as fait une erreur, tu es mort. Très propre ça de la part d'Aifage, qui feinte l'edgeguard de l'adversaire pour juste sauver son pote. Par contre, oh, et Belia qui tient encore à 209% avec son Fox, incroyable. Belia qui joue le rôle de tank, et qui est pas encore mort, hein, 216%. Ah, il fallait quand même que ça arrive, hein. Bon, on va dire que Quick couvrait bien le sol, la plateforme de gauche, et Léon lui bien dans l'intérieur qui couvrait la top plateforme et potentiellement le centre. Magnifique couverture des deux bleus. Belia dans une mauvaise situation, plus de sont plus rien. Bien joué de la part de Quick, n'empêche cette boule qui l'a forcé de fast fall. Malheureusement, partir dans un edgeguard trop loin en team, c'est jamais la bonne idée parce qu'il y a l'allié qui est là pour sauver. Et AFH a très bien réagi de ce côté-là. Qui gagnerait un peu plus à se rapprocher de son adversaire. Pas de tech, mais ça fait rien, on a le temps de refaire un deuxième EP. Ah, Léon, non, il avait réussi à éviter l'edgeguard de AFH, pardon, et finalement il s'est suicidé. Waouh, il récupère très, très 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 beau boulot. Incroyable. Je veux dire, Quick qui balance le rondoudou dans le tas, Marf qui était en plein combo et le coup final qui envoie les deux. Ça ne te fera pas tuer là. Oh, dommage. Toujours vivant de fait, mais sa stock peut partir très vite sur Dreamland. On l'envoie au loin et le temps qu'il revient dans une situation 2v2 assez régulière. Et encore une fois, ce missile sur Nassim, malheureusement. C'est-à-dire que Quick on lance pas très très souvent, donc il joue sur le manque d'habitude. Et c'est vrai que du coup, bah, c'est pareil, hein, c'est à double tranchant. Waouh, c'est compliqué là, hein. C'est une très, très stock. Dur. Belia et AFH. Mais alors, cette team-ci, je l'attendais de nulle part. Ils sont assis confortablement 3 stocks d'avance, ce qui veut pas dire que c'est gagné, mais honnêtement, ils sont bien positionnés. Ah. Bien bon shield de la part de Léon, qui s'est bien défendu du coup de ce match avant de son allié pour lui permettre de placer le gros coup sur le rondeau. Et on voit. Ah, oh, belle boule, ça par contre ça fait une motion sur Léon, mais très belle boule, l'a bien attendu avant de la mettre. Et joli monopole. Belle action discrète d'AFH avec un petit fer fin d'invincibilité sur le bord et accrochage derrière et jog. Et jog, pardon. Et ouais, Quick veut pas tenter le comeback, hein. Un Fox, un Rondoudou, c'est en single, c'est déjà assez compliqué à se concentrer sur un. Quand on en a deux contre vous, sur Dreamland, on fait aller, c'est bon. C'est-à-dire que le temps de choisir, et ben, tu es mort. Donc 1-1. Faut savoir que c'est quand même le counter pick de Belia et d'AFH. On part sur l'inverse complet sur Yoshi Story, le stage maintenant le plus petit. Là on était le stage le plus grand. On arrive sur le plus petit. Ça ne va certainement pas être la même chose. Et on va voir les deux personnages maintenant. Marf et Samus qui prennent énormément de place avec leurs attaques vont pouvoir couvrir un large champ sur cette toute petite plateforme en pouvant taper un peu les adversaires un peu facilement. On va voir un peu ce que ça va donner. Et pour le moment malheureusement ça prend un peu cher quand même. Joli de la part de Quick. Qu'elle a fait un beau grab. Là pour l'instant, espèce de double situation de 1v1. On attend un peu AFH qui cherche à sauver son pote. Beaucoup de missiles grappés tombés sur Léon, mais c'était bien esquivé de sa part. Joli ce petit fer, mine de rien, hein. Ça met son pote dans une bonne situation. Dommage ce missile. Et Quick qui essaye de cleaner un peu le bord pour laisser Léon revenir. Là il se du rondoudou, malheureusement le travers sur le Marf, c'est dommage. Mais il survit. Oh. Joli de la part d'AFH. Très très belle save d'AFH qui est vraiment voilà, l'opportunité, un hein. Smash avant du bout du pied. Il a su saisir l'opportunité et c'est efficace. Fox
Fox qui prend quelques dégâts là, hein. Rondoudou qui a mis du temps à revenir sur le terrain, Quick qui attendait en shield, il attendait l'erreur du Fox, hein. Le Marf était là pour punir, malheureusement Fox très malin plutôt, qui n'a pas bougé, qui a attendu que Rondoudou revienne avant de faire la moindre action. Joli. Malheureusement, erreur de la part de Vélia, malheureusement. On l'aime celle-ci, on l'aime, la missile pool, ça fait toujours très mal, hein. Qu'est-ce qu'on l'aime quand ça passe. Oh, situation de double grab, c'est assez original. Et c'était très bien parce qu'ils les ont tous les deux amenés sur la top plateforme, donc ça, ils étaient stickés tous les deux, collés au sol, ils couvraient plus facilement. Mais Rouge, cette situation, ont quand même réussi à créer des avantages et ont rééquilibré à 3 stocks, 3 stocks. Petite phase de dash dance qu'on pourrait assimiler à de la taunt. Oh, propre ça, magnifique. Léon qui est à côté sur la top plateforme, prêt à attendre. Quick légèrement à côté, prêt à mettre ce back air. Magnifique couverture, cette top plateforme. Fox avait, je pense, peu d'ouverture. Petit suicide d'AFH en même temps en plus. On se retrouve à 5 stocks contre 3, hein, pour l'équipe de Léon et Quick. Joli, là c'est ça bourre sur le côté droit, hein. Les bleus dans une mauvaise situation, les rouges qui essaient de les coincer, mais Quick qui a trouvé l'espace, Léon qui a trouvé le kill, et Fox maintenant seul face aux deux bleus qui se retrouvent coincés sur ce bord gauche, tente tant bien que mal de survivre et a réussi à suivre jusqu'au retour de Rondoudou. Bien joué de la part d'Alphage. Ils ont deux stocks de retard, mais rien n'est joué, rien n'est joué. Bélier est toujours là, et mais Léon a su prendre bien. Oh, oh là 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 là, qu'est-ce qui vient de se passer en 2 secondes? C'était impressionnant. AFH, il a bait, mais il a bait d'une façon magnifique dans le vide. Avant B à gauche, avant B à droite, il a touché. Il s'est retrouvé, Léon s'est retrouvé en position, il ne pouvait plus revenir sur le terrain. On voit Quick ne veut pas prendre le bord. Quick est très précautionneux. Hein. Ouais, c'est un mec de la défense, Quick. Et ouais, il attend. Et le tilt qui touche à travers la plateforme, la classique, vous restez en shield, c'est le shield stab de toute façon, vous êtes dans les airs, c'est va-t'en. Très propre. 2-1 du coup maintenant, ce n'est forcément c'était leur counter pick. Donc est-ce que Bélé et Elfage ont encore un autre stage dans leur manche à sortir pour redéfoncer l'équipe bleue? C'est-à-dire que oui, parce que quand on a vu le résultat de leur match sur Dreamland, on a bien vu qu'il était possible pour eux de gagner. De façon assez convaincante même. Donc on sait que c'est pas fini, on sait qu'il reste encore des terrains. Et on part sur destination finale. Évidemment. C'est un truc qui se rapproche quelque part le plus. Oh, oh là là là. Et dommage, c'est Pelia qui sauve son adversaire avec ce back air. Il s'attendait pas, je pense, que son allié mette un reste. En même temps, j'avoue que ce reste il est sorti là, de nulle part. Hein. Il a commencé la game baissé, il est resté en crouch. Il a fait drill, reste. Voilà, c'est son début de game. Ça, c'était bien tenté, hein, pour punir le potentiel grab de Marf. Après son lancer, se jeter sur lui pour reste. Mais bon, Léon, il reste pas en place plus de 2 minutes. Il était un peu en retard sur le timing, donc forcément, c'était la punition. Joli contre. Quick qui s'arrête direct, qui rate son edge guard qui était gratuit. C'est un peu dommage. Et FH qui prend le bord d'un rien. Mais Léon qui continue de couvrir pour la reco du Fox, tout se passe à droite pour le moment, on ne sait pas à qui est le bord, on ne sait pas à qui est le stage, mais ça se bat pour l'avoir. Joli de la part d'AFH qui récupère bien la petite passe du Fox, joli neutral air de la part de Quick qui couvre bien les airs, et si jamais Fox avançait, il fasse follet sur lui, c'est les bleus qui prennent l'avantage sur ce match. Oh, beau monopole de la part d'AFH. Il a bien pris son temps, il s'est pas pressé. Belle day Bélia en away sur le petit de Samus pour esquiver le dunk smash juste après. Il a fait une petite smash day, c'était propre. Oh! Très 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 bon reste encore une fois. 1 minute 30 de jeu. On est sur une partie très très équitable, on est à 6 stocks contre 6 pour l'instant. Quick encore, qui est encore capable de garder ses 4 stocks pendant un très très long moment? Ça c'est pas mal ça, mine de rien, hein. Ça enlève le stun, ça agit derrière. Bon, ok, pas vraiment. Double shine de Bélia. Beau double shine de Bélia qui a permis d'être gardé et de tuer Léon. Oh, Léon qui rate son up B. Oh là 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 là. Il le trouve dans cette dash dance. Il la trouve, cette tipper. Il la trouve. Ah bah, il y a aujourd'hui tipper et féminin. Très propre de la part de Bélia qui se glisse pour placer ce match avant. Et magnifique up tilt juste après ce grab. Sur le smash, pardon. Magnifique up tilt juste après le grab pour maintenant couvrir la contre-attaque du Rondoudou. Oh non, FH qui rate ce bord avec ce B neutre.
qui rigole. D'accord. D'ailleurs, il est content. Après tout, ils sont équitables maintenant. Ils sont équitables maintenant. Et la boule sur Rondoudou, ça fait mal, hein, 25% d'un coup, c'est gratuit. Léon dans une situation un peu cocasse, mais très beau dunting de Quick. Malheureusement, Béliac a très bien su suivre, il est resté au sol, il l'a ramené et il l'a pris. C'est du bon travail. Et à la chaîne, il y en a un qui est pas là sur le terrain. On est deux contre un, jeu grave, tu restes. C'est du bon travail de Team Bélia. Bélia, il fait du bon boulot depuis tout à l'heure aussi. Je suis très impressionné par Bélia. Bélia, il perd pas le nord. Ah, la boule. Ah non, un neutre a l'air simple. Oh là là. Oh là là là. Ça ne suffira pas malheureusement. Belle DI de la part d'AFH. Oh, joli ça. Magnifique. Il avait chargé avant même qu'il commence à rouler. C'est pas de la lecture, hein. C'est pas de la réaction, c'est de la lecture de jeu. Pur et simple. Ça va arriver à le sauver. Petit neutre à l'air en reverse pour le ramener. C'était pas trop mal en plus de ça. Si jamais toucher le fog, ça faisait revenir sur le stage. Et dernière stock pour chaque personne. Oh, la boule tire un poil trop tôt qui a traversé le fog sur ses frames d'invincibilité de relever. Il aurait pu l'avoir. Et là, le temps qui charge, malheureusement, Léon qui est seul face à tous. Il arrive malgré tout à revenir. Quick, il a le temps de réagir. Belle. Beau missile sur Fox, trop loin pour revenir à moins qu'AFH soit là. Mais ce neutre à l'air de Quick qui bloque Rondoudou. Là, quelques frames qui auraient été utiles pour lui placer de le side B et de sauver son collègue. Il se retrouve maintenant seul, certes à 8%, mais seul face à deux joueurs et pas des moindres. Et ça risque de faire très mal. Oh. Et Quick, il attend. Hein, Quick, il attend. Hein, ils sont patients. Hein. Quick, il va pas aller prendre des risques pour rien du tout. Clairement. Ouais, écoute, il a des occasions genre de brûler son adversaire, mais il ne les prend pas, il attend. Là. C'est dommage, ça se tentait, c'était dommage. Mais au moins, de toute façon, il a le temps. C'est ça qui est bien en 2v1, c'est... Oh, surtout vous êtes salut si vous avez le temps de toute façon de boucher votre boule et de la tirer à la moindre heure de votre adversaire. C'est pas le mieux d'attendre que votre adversaire grabe le mec et tire votre boule dessus, elle fera deux fois moins de damage et deux fois moins de knockback. Mais dans l'idée, c'est quand même sympathique. Mais dans l'idée, il y a des pourcents où tu peux commencer à le faire. Allez. Il l'attend, il le tease, il voit les sauts, il descend un peu, il saute et boum. Léon et Quick qui s'installent dans cette grande finale, attendant le vainqueur de Bélia AFH.